J'aime ça. Et voyez ce pied blanc ici, à gauche, les dessous encore. Il préparait ses chairs en blanc, puis d'un glacis rouge blanc. Voyez, à côté, il leur donnait la vie. Blanc et noir, je ne veux plus peindre qu'en blanc et noir, criait-il à la fin, comment aurait-il fait? Comment se serait-il passé de son supplice? On peut tout attendre d'un tel bonhomme dans sa jeunesse. Il avait eu le culot d'affirmer la couleur de Titien dans le dessin de Michel-Ange et il y est arrivé. Titien l'avait flanqué à la porte. Au fond, celui qui rendrait ça simplement, la Seine, Paris, un jour de Paris, pourrait entrer ici la tête haute. Il faut être un bon ouvrier, n'être qu'un peintre.